Yo, avant que la vidéo commence, j'ai vu que pendant 2 semaines, depuis 2 semaines, des gens s'abonnent petit à petit. Donc, je tenais à vous remercier pour cela. Et aujourd'hui, petit unboxing. J'espère que vous l'avez reconnu, ce petit package en mode sac poubelle, mon pote. Ouais, parce que c'est fini là, moi, ça coûte trop cher les colis. Donc, hop, sac poubelle direct. Deux achetés, le troisième gratuit. Et ils t'emballent ça. Donc, oui, nouveau colis AliExpress. On l'a tous reconnu. Ça, c'est une figurine que j'attendais depuis longtemps. Date de prévu, c'était début 2019. Je l'avais vu sur des sites tels que Micromania. Je les avais vus. Ouais, je l'avais vu. Ouais, je l'avais vu sur Micromania et quelques sites. Avec une date de sortie en 2019. Elle est sortie normalement officiellement et officiellement aussi sur AliExpress. Je pense que sur AliExpress, je pense qu'ils étaient tellement chauds que ils l'avaient déjà avant. Tu comprends, les mecs sont tellement chauds sur Ali. Donc, moi, je l'ai commandé. Je l'ai commandé le 3 janvier. Et elle est arrivée autour du 26-27 janvier. Donc, vous faites le calcul. Hein, je ne vais pas vous le faire à votre place. Moi, je vais ouvrir directement ça. C'est une figurine que j'attendais depuis longtemps, 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 longtemps. Donc, là, c'est parti. Nouveau outil pour couper tout ça. Hop. Et à première vue, on peut voir que le carton n'est pas fait. Il est plié tout simplement là. Et je vous jure, hein, depuis que je commande sur AliExpress plein de choses, ma boîte à lettres, elle est en train de souffrir. Je vous jure, hein, quand j'ai vu ça dans une boîte à lettres qui fait cette taille-là, mon pote, je me dis, mais comment il a fait? J'imagine bien, tu vois, le post il arrive, il m'a mis des gros chassés dans la boîte aux lettres. Pour faire entrer tout ça, quand même, vous pouvez voir, il y a quelques petites griffures ici. Donc, le colis a vraiment pris cher. Donc, hop, j'ouvre tout ça. Hop, petite ouverture, petite entaille. On ouvre, hop, papier bulle, comme d'hab. Voilà, hop, on ouvre tout ça. On fait sortir la bête. Oh là 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 là. Ok, ça c'est pris dans le papier bulle. Voilà, hop. Voilà, hop, oh là là, oh là 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 là. Elle est gigantesque. Ah ouais, donc elle est déjà montée, c'est parfait. Donc hop, ça se présente comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Normalement, vous le voyez très bien. Hein. Vous pouvez avoir apparaître le personnage juste ici. La petite boîte juste derrière. Et on va pas tarder. On va s'empresser, je veux dire, d'enlever tout ça. Hein, on va pas se mentir. Hop, nous, ce qu'on veut voir, c'est l'intérieur. Voilà, ouverture facile, mon pote. Ouverture facile. Sincèrement, ce petit objet, je vais le garder avec moi pour ouvrir tout ça. Hop, voilà. Là, pareil, il y a un peu de scotch ici. On ouvre. Ça, oh, mais il est trop bien, mon Luigi. Ça, de base, c'est pour enlever les agrafes sur les voitures pour pas casser les agrafes. Mais moi, je vais m'en sortir. Mais je vais m'en servir comme ouverture de colis. Hop. Voilà, nickel, nickel. Merde. Hop, on met ici. Ah ouais, déjà la boîte en plastique est à prix cher. Il y a beaucoup de bruit. Que je fais ça dans une tempête, je sors le carton. Ah oui, donc le plastique est archi mort. Donc le plastique, là, on peut dire dead, c'est mort. Mais le carton, vraiment, le carton a l'air de bonne qualité. Hop, même si lui il a pris cher. Donc, je vous le fais directement. Je le. Ah, c'est bon, c'est cool. Attends, tu prends le carton, mais c'est pas l'envers. Il est pas l'envers. Hop, je vous dis ça, vous voyez pas. Vous voyez peut-être le petit bout. Hop, professionnel, c'est le dupliage du carton. Ça, tu vois, son technique. Ça va sûrement ici. Voilà. Ah ouais. Bon, la boîte, je pense que j'ai pas regardé, je vais pas vous mentir. En même temps, on va faire un état de Chine en bon état. Je pense que c'est mission impossible. Ouais, la boîte, on va partir sur la poubelle. Sachant que moi, j'ai regardé les boîtes dommage. Hop, et hop. Nickel, la boîte est presque prête, on n'en parle plus. Oh putain, ça, c'est pas mis. Hop. Voici la boîte. J'ai la gueule de la boîte, hein. Bon, hop, excusez-moi, je vais le décaler. Comme vous l'avez reconnu, c'est mon petit ami Broly. Hop, il est là, Super Saiyan Broly, on est là. Donc celle-là, hop, je la dégage, elle va à la poubelle. Voilà, je suis déçu, hein, je suis déçu, je voulais la garder. Et voici le petit bijou que je me suis pris sur AliExpress. Dites-moi pas qu'il n'est pas violent. Dites-moi pas qu'il n'est pas violent. C'est le Broly à l'ancienne comme je l'aime. Ça sent que je suis parti voir le nouveau film Broly en avant-première. Et sincèrement, même si le nouveau Broly a de la gueule. Moi, je suis fixé sur le premier que j'ai connu, le vrai Broly, ma gueule.
Pour moi, ça, c'est le vrai Broly. Donc, comme vous pouvez pouvoir voir devant vous, la boîte en plastique a pris très très cher. C'est une figurine qui, aux alentours, coûte entre 80 et 100 euros. Je pense que sur AliExpress, elle coûtait. Merci, je vous raconte. Je crois que sur Micromania, elle coûtait 100 euros. Je l'ai eu pour 36 euros avec livraison, sachant que ça, c'est ça, ah, ça. En fait, ça vient de Chine, qui est parti aux États-Unis, qui, après avoir été aux États-Unis, je l'ai acheté et il est revenu en France. Ou c'est peut-être le mec qui fait du dropshipping. Peut-être il a une boutique aux États-Unis et au final, ça vient livrer tout droit de la Chine, ma gueule. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va pas aussi perdre de temps. J'ai déjà perdu mon outil. Ah non, il est avec lui. Je vais l'ouvrir. Donc, si elle est de bonne qualité, je vous mettrai le lien dans la description. Sincèrement, comme je vous ai dit, je préfère payer une figurine largement moins chère et en bonne qualité que aller chez Mimi, chez Coco, Mania, je rigole, et la payer 100 balles ou plus. Donc, hop, on fait ça, on fait attention. Wow, j'ai pas vu, il y a un petit aura ici, j'espère qu'il est juste pas cassé. Normalement non. Ah ouais. Heureusement. Oh là 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 là. Ah oui, c'est un aura qui se met ici, ok. Oh là 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 là. Fais attention. Hop, voilà. Oh là là. L'aura ici, je vais la sortir tout de suite. On va la mettre là. Oh le Broly. Oh il me fait. Oh il me regarde des yeux mon pote. Oh. Il me dévore des yeux, hop. Oh, mais c'est trop violent ça, ça coupe tout. Voilà, on en met ça sur le côté. Oh là. Oh, mais non, mais. Oh, non, c'est pas cassé, j'espère. Non, c'est pas cassé, ouf, c'est pas cassé. Ah non, c'est pas cassé. Ok, yes, c'est bon, je vois ça, j'avoue. On pose ça délicatement. Et on sort la bête de son plastique. Le plastique qui va aller. Oh, il y a un truc qui est tombé. Attends, je regarde bien si je n'ai rien oublié dans la boîte. Allez, au revoir la boîte. Et je vous pousse directement ça ici au milieu de l'écran, j'espère. Oh là 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 là. Oh le Broly qui est violent. Oh, ça m'a l'air cassé tout ça. Ça m'a l'air cassé. Je vous dis ça tout de suite si c'est cassé ou pas. Ah ouais, si, j'en ai une cassée, les gars. J'en ai une qui est cassée. Ah! Masalaou! J'en ai une qui est cassée, ou? C'est cassé. Dommage. Bah, après, ça, c'est. Voilà quoi. C'est le problème des livraisons. C'est cassé, mais regardez. Hop. En deux doigts, trois mouvements, mon pote Joséphine, ange gardien, tu connais pas. On va passer au bloc opératoire, les gars. T'as des problèmes, Luc? Tu veux que je te prête mon stylo colle? Ok, je suis revenu. Je suis sorti du bloc opératoire. Comme prévu, le client va super bien. Hop, je vous fais montrer ça. Petite protection Sopalin, tu connais. Donc, avec un peu de colle, j'ai essayé de remettre la barre. Pour l'instant, elle tient. Normalement, ça va devoir tenir. Sachant que je ne vais pas jouer avec la figurine, tout simplement. Donc, voilà. Comment est fait la figurine avec les auras ici, la figurine de Broly et son Kikoa. Hop. Je m'approche, j'espère que vous allez bien voir. Parce que comme je vous dis, hein, hop, c'est pas très parfait. Donc voici comment se présente la figurine en mode énervé. Les cheveux, comme vous pouvez le voir, sont à moitié transparents. Elle est violente. Elle est violente, elle a aucun défaut. Sincèrement, je kiffe. Je kiffe de ouf. Hop, je vous la tourne en même moment. De toute façon, comme d'habitude, hein, en fin de vidéo, je vous ferai des petits plans. Donc là, comme vous pouvez le voir, là pour l'instant, c'est pas Broly, mais Jamie Lannister, mon pote. Il a une main en moins, mais vous inquiétez pas, sa main est dans le Kikoa, dans sa boule. Et je pense qu'il y a des petites auras à mettre. Voilà, juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu la boîte que j'ai lancée tout là-bas comme un con. Oh là 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 le con. Je vais regarder le plan sur internet simplement. Hop, on va pas se prendre la tête, hein, moi j'ai envie de vous dire. Voilà, je sais pas si vous entendez mon petit clic. Ok, donc là j'ai mis les auras. Donc j'ai une aura qui s'emboîte, comme je vous l'avais dit, dans l'épaule de Broly juste ici. Et une aura qui s'emboîte sur les rayons du Kikoa, de sa boule. Et là, hop. Il va retrouver sa main tout de suite. Faut juste pas que ça merde. Ça va être très très dur de la faire rentrer. Attendez, je crois qu'il y a de la merde à l'intérieur. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, il y a beaucoup de merde. Je vais l'enlever grâce à mon petit outil. Ok, tout est mis en place, les gars. Donc voici la figurine. Elle est magnifique. Je la trouve vraiment violente. Je la trouvais plus grosse. Et au final, heureusement qu'elle fait cette taille-là.
Sincèrement, elle est vraiment beau gosse. Hop, je vous la fais tourner. Par contre, pour mettre le bras dans la boule, c'est une vraie galère. J'ai tellement poussé quand on a eu un crack. J'ai dit, je vais pas pousser plus loin. Bon, il y a un petit écart entre son poignet et sa main. Mais ça fait rien. Ça fait rien. On voit très très peu. La figurine est magnifique. J'avais quelques traces de peinture ici, mais je les ai enlevées. Donc je pense avec du dissolvant ou une lingette, ça devrait le faire. Donc voilà ce que vous pouvez avoir pour 36 € sur AliExpress. Sincèrement, encore une fois, je ne suis pas déçu. Bah, par rapport à ce que j'ai commandé précédemment. En plus, je ne voulais pas vous montrer. Je vais peut-être faire une petite vidéo où je mettrai mes déçus d'AliExpress. Mais pour le moment, celle-là, je la kiffe. Donc hop, voilà la figurine. De toute façon, je vais vous faire des plans de très près tout à l'heure. Voilà, c'était juste une petite vidéo parce que voilà, en ce moment, je n'ai pas trop de temps de tourner de vidéo. Je travaille à fond tous les jours, toutes les nuits. Et là, j'ai un petit jour pour vous présenter cette petite figurine. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé. À venir, une très grosse figurine qui vient d'arriver. Ne vous inquiétez pas, je commande pas que du chinois. Sachant qu'en plus de ça, mais ma figurine que je vais vous présenter la prochaine fois, c'est Made in China. Je crois qu'en même temps, je crois qu'il y a marqué en gros sur le truc. Mais vous inquiétez pas, c'est une putain d'officiel. Donc pour l'instant, je vous ai présenté ce petit Broly. J'espère que vous avez kiffé. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et si vous avez aimé, bah aimez cette vidéo tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous mets là-bas le lien en description si vous voulez commander la figurine. 36 € je l'ai acheté au lieu de 100 et quelques euros. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Et passez une très belle journée.